que découper nos coquelets en crapaudine. Donc on garde tous les os, ça va permettre de maintenir les chairs pendant la cuisson. On le fend juste en deux pour retirer la colonne vertébrale. Donc c'est très simple à réaliser, il suffit d'avoir un couteau qui coupe bien. On retire la petite ficelle. On coupe un petit peu le petit bout de la peau qui dépasse. On met le croupion face à soi. On introduit le couteau le long de la colonne vertébrale. Et on donne un petit coup sec. Comme ceci. Donc les os, étant jeunes, ils sont facilement découpables. Donc là, on appuie bien. On va essayer d'aplatir. On fait attention, bien sûr, de ne pas se couper. On va retirer le bout de la colonne. Comme ceci. Et on va le remettre en forme. On passe un petit bâton de brochette entre les deux os de l'aileron et la cuisse, pareil, entre le haut et le pilon. On va lui redonner une petite forme. Nous allons assaisonner légèrement nos coquelets. Alors très léger. Ça, vous avez vu dans mes précédentes recettes, souvent quand je mets trop de rub, ça brûle. Donc là, c'est juste ce qu'il faut pour venir parfumer. Donc là, c'est les épices aztèques Montréal. Donc vous avez la recette dans la vidéo. Un peu d'herbe. Alors, toujours mon mélange d'herbe du Pays Basque, de la maison Petri Corena. Donc il y a du basilic, de la marjolaine, il y a de la sarriette, il y a du thym, il y a de l'oignon, il y a plein de bonnes choses. Je trouve ce mélange d'herbes assez remarquable. Voilà. Donc ça, c'est inutile de laisser trop reposer. Hein. On peut commencer la cuisson tout de suite. C'est juste pour parfumer. Donc je n'ai pas salé, je salerai en cours de cuisson. Notre plancha est arrivée à température. Donc là, elle est à 200,
Alors, mon thermomètre a un petit souci, il est sous-estime de 15 degrés. J'ai vérifié avec un thermomètre de précision. Là, c'est à 220, presque 230 degrés. Donc, c'est un peu chaud. On va réduire le feu. On va mettre nos petits coquelets à cuire. Côté intérieur en premier. Alors, ce qui est bien sur une plancha comme ça, c'est que quand elle est bien chaude, elle accroche très peu. Tirer le thermomètre. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on va cuire les petits légumes. Avec petits cloquelets comme ça, faut compter une bonne demi-heure de cuisson. Hein. Même sous cloche, à feu très doux. Donc les champignons, là, je les avais cuits à basse température. Voilà. Donc on va retourner une première fois nos coquelets. Vous avez vu, ils ont pris une jolie petite couleur bien dorée. On va peut-être remonter un tout petit peu la plancha. Ah, les champignons prennent une jolie couleur. Avec ces champignons, je vais faire un légume qu'on ne fait pas souvent à la plancha. Que là, j'ai pré-cuit à basse température. Alors, vous allez m'entendre beaucoup ces derniers temps parler de basse température. Et c'est un mode de cuisson que j'associe avec la plancha, qui est assez génial pour les légumes, pour les viandes rouges. Prochainement, je vais vous faire une petite démonstration de côte de bœuf cuite à basse température et terminée à la plancha. Et je peux vous dire que ça fera un très très bon produit. La basse température vous permet d'avoir la cuisson la plus juste. Et comme la plancha, c'est une cuisson qui est très rapide, pour des morceaux qui sont un peu épais comme une côte de bœuf, et bien il suffit tout simplement de la cuire à 55 degrés par exemple, pour saignant, et après vous lui laissez 3-4 minutes sur la plancha, et vous allez voir que ça donne un superbe produit. Donc là c'est du céleri. On va laisser dorer, vous voyez, ça colore tout de suite. En plus, c'est presque cuit, c'est cuit à 90%. Et mon petit coquelet qui cuit bien, comme il faut, sous cloche,
ça, ça va être super sympa. Avez vu, j'ai pas mis beaucoup de robes là, ce coup-ci. C'est bien. On va regarder à quelle température ils sont. Donc ils seront cuits quand ça sera aux alentours de 64-65 degrés. Ah, ils sont déjà à 50 là. Donc la partie la plus épaisse. Là, c'est déjà presque cuit. Ah non, là c'est un peu juste. Hein. Là, on est à 49. Au cœur du blanc. Pareil, 51. Les champignons vont être bons. Alors on pourrait faire une petite persillade avec ces petits légumes. Là, j'ai fait des petites tomates séchées. Donc voilà, mes légumes vont être prêts. Je vais mettre un peu d'herbe. Et nous allons les débarrasser. Vous voyez, c'est pratique avec la grille. On peut s'en servir aussi comme pose plat. En plus, ça reste au chaud. Bon, pour la vidéo, c'est moins bien parce que vous voyez plus ce qui cuit en dessous. Mais bon, ça, c'est pas grave pour l'instant. Le principal, c'est l'usage que vous pouvez en faire. Et on va regarder nos coquelets. Oh, nos coquelets sont presque cuits. 64 degrés. On va les laisser encore 2-3 minutes. Le fait de les cuire sur l'os, comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. Donc, on va les laisser là, reposer quelques minutes. On va nettoyer notre plancha pour attaquer une deuxième cuisson.